Bienvenue sur cette vidéo. Donc là aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo différente. Voilà. Donc ça va être une vidéo sur une série, voilà, sur une série, sur un projet que je vais faire avec vous, enfin que j'ai déjà fait avec vous parce que j'ai déjà fait les lives sur ce projet. Voilà. Donc voilà, c'est un projet de survie. Voilà. Du coup il y aura des zombies qui viendront nous attaquer. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées de noms pour ce projet. N'hésitez pas à mettre à faire ceci. Et du coup, bah voilà, je vous montre des images en arrière-plan du jeu. Voilà. Donc là, il est encore au stade de création, donc c'est normal qu'il n'y ait pas des graphismes excellents. Et puis de toute manière, ce sera pas un jeu vraiment exceptionnel parce que je suis pas non plus le plus fort en 3D, hein, donc je pourrais pas vous faire des jeux stylés. Ne vous inquiétez pas si c'est comme ça. Après, vous aurez bien évidemment des manières de faire un jeu plus joli, hein, voilà, avec des packs de textures plus jolies, mais qui coûtent aussi de l'argent. Voilà, moi c'est vraiment avec des packs gratuits pour créer un jeu vraiment gratuit que je vais vous montrer. Hein. Donc voilà, comme ce sera une série de vidéos qui partira tous les mardis. Du coup, pour ceux qui ont regardé les lives de ce projet, je vous invite quand même à regarder les vidéos parce que peut avoir des différences. Par exemple, au début du premier live, j'ai commencé le jeu du coup avec le menu principal. C'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue parce que des fois c'est pas ce qu'il faut commencer au début, mais par exemple le menu principal, il se peut que dans la vidéo je vous montre des idées de menus différents, voilà, que j'améliore du coup ce menu. Voilà, donc du coup ces améliorations se font sûrement dans la vidéo, donc c'est pour ça, regardez bien les vidéos, il se peut qu'il y ait des changements, il se peut qu'il n'y en ait pas. Voilà, ça se peut, hein, ça peut juste peut-être être en off, ou ça peut être juste que plus tard je ferai une vidéo spéciale sur les changements. Voilà, mais en tout cas c'est sûr, il y aura quelques vidéos qui auront des plus. Maintenant je sais pas laquelle. Bien évidemment, ça vous pousse comme ça à regarder ces vidéos pour voir s'il y a des changements. Et du coup voilà, donc ce sera du coup un jeu, voilà, de survie. Il y aura des zombies. Bien évidemment, il y aura des PNJ avec qui on pourra parler. Hein. Les zombies n'apparaîtront pas dès le début. Il y aura quand même un petit système de dialogue. Hein. Bien évidemment, ce sera pas un jeu qui durera pendant un siècle. Hein. En une journée, ça sera torché le jeu. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un petit projet qu'on crée ensemble. Voilà, donc, dites-moi après dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant, si jamais je crée d'autres projets avec vous. Si vous voulez qu'on crée d'autres projets, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Tant que le projet ne fait pas, tant que le projet ne porte pas sur des éléments 3D super jolis ou des cinématiques super bien faites, ça passe. Voilà. Si c'est des petits projets de ce style-là, qui sont pas très longs, je pourrais tout à fait les réaliser. Voilà. Après, s'il y en a qui sont bien évidemment forts en 3D ou je ne sais quoi, ben, à ce moment-là, on pourra peut-être se lancer sur ces projets-là. Hein, mais pour l'instant, on va rester sur des projets un peu de ce style. Hein, voilà. Et sinon, ben, voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous parler de ce projet. Voilà. Bien évidemment, je vais revenir juste sur un petit truc. Voilà. Donc, pour ce projet, du coup, il y aura sûrement des appels sur des pour prendre des packs, des choses comme ça. Donc, vous aurez bien évidemment les liens sur les vidéos. Et puis, sur mon site, je vais créer une page spécifique avec bien évidemment tous les liens qui seront utilisés sur ce projet. Voilà, donc, vous aurez les liens de tous les packs. Voilà, donc par exemple le pack de bâtiments, parce que bien évidemment c'est pas moi qui ai fait les bâtiments, hein. C'est un pack de bâtiments que j'ai pris, hein. Je sais faire plus ou moins des bâtiments, mais c'est les bâtiments médiévaux où je suis pas forcément très fort au niveau de la 3D, hein. Après on peut faire des bâtiments du style à part, des bâtiments plats avec vraiment des angles de carré et pas des maisons avec un toit en triangle, c'est pas forcément ce que je sais faire. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris ce petit pack. Bon, l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas rentrer dans les maisons, mais après on peut faire en sorte de se téléporter
sur un endroit pour avoir les maisons, mais ça, c'est peut-être un truc qu'on verra plus tard, hein. Et puis, voilà. Et puis, qui sait, peut-être que d'ici là, en 2023, hein, j'aurai une connaissance plus approfondie sur les maisons, et il se peut qu'il y ait une vidéo sur comment faire un bâtiment pour le projet de spawner, comme ça. Et il peut aussi y avoir des vidéos que vous n'avez pas vues sur le projet, qui sont hors live. Donc c'est aussi pour ça que ça peut être intéressant de voir les vidéos. Voilà. Bon, sinon là, je suis un peu en train de ruminer pour faire gagner du temps sur la vidéo, hein. Mais si vous avez regardé la vidéo déjà jusque-là, n'hésitez pas à mettre survie. Voilà, vous mettez survie dans les commentaires. Ça fait plaisir. Voilà, vous mettez survie et puis voilà. Donc c'était à peu près tout pour cette vidéo. Voilà, juste pour vous dire qu'il y a un projet que j'ai fait plus ou moins avec vous. Hein. Évidemment, on n'était pas nombreux sur les lives. Hein. Et pour ceux qui veulent regarder des lives, donc qui regardent cette vidéo et qui veulent regarder les lives, vous avez jusqu'au 31 janvier 2022, bien évidemment, pour les regarder. Hein. Voilà, donc le 31 janvier 2023, excusez-moi, je suis 2022. Le changement d'année est encore un peu erroné pour moi. Voilà, du coup, vous avez juste à ce jour-là. Si vous regardez la vidéo du coup en février, ben, vous devrez suivre la série et pas les lives. Voilà. Bien évidemment, je vais pas laisser les lives s'il y a les vidéos qui sortent. Hein, ce serait un peu contre-productif. Hein, les gens pouvaient regarder les lives. Hein, donc, voilà, les lives seront disponibles jusqu'au 31. Et après, ben, voilà, vous aurez plus accès au live, donc dépêchez-vous hein, si vous voulez regarder les lives, hein, mais regardez quand même les vidéos parce qu'il se peut qu'il y ait des différences. Et du coup, moi je vais arrêter parce que là je commence à répéter un peu ce que j'ai déjà dit. Hein, voilà, donc là je vous montre quand même des images, hein, voilà, du projet. Hein, donc là vous avez les images en arrière-plan. Hein. Donc je vais quand même dire un peu ce qu'on a fait. Hein, donc on a fait du coup le menu principal. On a fait un système de save avec la vie, la faim. D'ailleurs, on a fait aussi la soif, hein, l'endurance, tout ça. Donc ça a été fait hors live. La soif, l'endurance et un système d'XP, voilà, que je ferai sûrement aussi, mais ce sera du coup en off, ceci. J'ai juste fait la vie et la faim en live. Hein. Donc, vous pourrez avoir du coup ces choses-là en plus. Voilà. Et sinon, bah voilà, j'espère que c'était intéressant. Donc là, il y a les zombies, les villageois, les bâtiments, la végétation. On a aussi réglé en soi la lumière. Voilà, on a fait plein de choses comme ça. Voilà. Et puis, je vais pas en dire plus. Hein, je laisse aussi un peu de surprise pour découvrir ce projet. Voilà. Et sinon, bah voilà. Sur chaque vidéo. Donc sur chaque vidéo que je ferai, comme ça si jamais vous loupez une vidéo, vous aurez un petit récapitulatif de ce qui a été fait. Voilà, donc sur la vidéo il y aura des explications pour dire qu'on a commencé à faire un peu des menus, des choses comme ça. Vous aurez un petit récapitulatif sur les vidéos, voilà. Et puis vous aurez un petit teaser de ce qu'on va faire dans la vidéo suivante. Hein. Donc il se peut aussi que les vidéos soient pas dans le même ordre que les lives. Hein. Donc c'est pour ça, je vous le redis, hein, regardez les vidéos, voilà. Bon, je pense que je me répète beaucoup, hein, donc là, il est temps pour moi de vous dire à la semaine prochaine, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et puis moi, je vais revenir sur ce petit objectif, hein, qui est l'objectif de 2023, qui est d'atteindre les 1000 abonnés, voilà, avant la fin de l'année. Voilà, donc. C'est le petit objectif de 2023, les 1000 abonnés. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça faisable, hein, mais je pense qu'on peut très bien le faire. Excusez-moi. Je pense qu'on peut très bien le faire. On peut très bien atteindre les 1000 abonnés. Hein. Et si on a réussi à espérer quasiment 200 abonnés en 2022, voilà. Donc, je pense que c'est tout à fait faisable, vu qu'en fin d'année, j'ai commencé à voir d'abonnés facilement, une ascension d'abonnés plus, hein, donc je pense que c'est faisable d'atteindre les 1000 abonnés. Voilà, donc c'est votre petit défi que je vous offre. Voilà, moi je vous fais des vidéos et vous faites ce défi là, voilà, atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année.
Donc partagez un maximum cette vidéo et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao. Et n'oubliez pas, la série sera tous les mardis à partir de la première ou deuxième semaine de janvier. Allez.